Et salut à tous, c'est Titoko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dofus Retro Temporis. On est dans la tour des défis et on est au défi 13. Donc comme vous pouvez le voir ou pas, on va se combattre des percepteurs sauvages et des percepteurs perfides. Alors j'ai le mince espoir éventuellement que sur un percepteur, on puisse dropper pourquoi pas un Dofus. Bah pas à cet étage-là, parce que bah peut-être que ça n'a pas encore été découvert. Mais vu que c'est des percepteurs, peut-être qu'ils auront percepté quelque chose. On ne sait jamais. Et donc, c'est parti pour le petit combat. Je lance. Non, je bug. C'est pas vrai. Mais oui, je bug. Ah ouais, non, mais alors ce temps pourri, ça. Moi, c'est une vraie... Tadée. Je fais que de me déconnecter. Bon. Ouais, mais j'ai encore bugué. C'est parti. Allez, let's go. Hop, t'es avec qui toi? Ah, t'es avec ton bonifou. Oh, allez. Alors, non, visons. Ah ouais, 4000. 25%. 5. 5. C'est pas compliqué. Ça va être compliqué. Ils ont beaucoup de vie quand même. Ils ont beaucoup, beaucoup de vie. Oh non, j'ai pas changé mon truc. Oh, j'ai oublié de mettre mon cac. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi il s'est enlevé? Il était équipé. C'est lequel qui soigne? Oh là, ça va être pénible, je sens. C'est quoi ce costume qui vient? Ah, c'est en pire. Moi, je suis un petit peu là. Il a picoté celui-là, là, hein. Purée. Ça va être problématique, je pense. J'ai même pas pu jouer. Bon, bah, j'ai pas pu jouer, hein. Complètement, moi. Oh, je suis morte. Bon, bah, bon courage. Comment te dire, Mnelias qui est quand même au level et qui a des boubous, il a pris cher dans la gueule. Il y a un moment donné, moi je veux bien. Toi aussi t'as pas ton cac? Ah, donc c'est la salle qui veut ça. Voilà, voilà. Tu vas prendre cher. Ça doit être la salle. Votre cac. Ah, donc c'est pas moi la boulée, en fait, c'est bien la salle qui t'enlève ton cac automatiquement, d'accord. Ok. Je vais remettre. Ok. En plus, ils te font des pièges. Ah ouais. Ah, il a l'attaque mortelle. Ah ouais. D'accord. Et moi je pleure parce que j'ai pas de sort. Par contre tu vas mourir. Clairement, tu vas mourir. C'est compliqué, hein. Heureusement qu'il a... Ouais, bah avec mes 600 points de vie, en fait, j'en ai pas besoin. J'ai même pas fait un tour. Ils m'ont mis deux fois des attaques dans mon... J'étais morte. C'est n'importe quoi. Reste dans le glyphe de Nelias, hein, par contre. Franchement, à la fin de ton tour, va dans son glyphe. Va dans son glyphe. Bah tu le pousses. Bah non, tu vas le déclencher. Donc mets-toi dedans. Pas sûr que
que ça va suffire, mais peut-être que ça suffira. Donc, on verra. Quoi? Quoi, quoi? T'as fait des sacrés dégâts, là? Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, je vais te répondre tout simplement. Enfin, peut-être que c'est juste tout simplement très bon. Par contre, il est opérationnel. Bah oui, bah c'est pas grave. Bah c'est pas. Ah ouais. C'est compliqué. Hein. Mais je pense qu'ils ont un bon rapport avec les sauvages. Les sauvages, c'est ceux qui font le plus de dégâts. Aïe aïe aïe. Et va pas falloir rester en paquet aussi. Franchement, si vous faites ça, éloignez-vous les uns des autres. Hein. C'est. Et alors, bah, mon châtiment divin, je suis censé le perdre plus que deux fois, et pourtant je suis venu le perdre deux fois. Oui, non, mais ce temporis c'est blindé de bugs. Par contre, son attaque mentale. Ouf, il va falloir que je sois calme. C'est pas bon ça. Bon, c'est compliqué là, hein. Bah, je pense qu'il va gérer, hein, mais... Ouais, moyen, allez, vas-y. On croise les doigts. S'il tue le sauvage, normalement, ça devrait le faire. Bon, ça devrait, je pense. Oui, ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Bah, l'autre il faut qu'il arrête de soigner. Quoi. Ça va, il soigne pas de ouf non plus. Ouais, bah heureusement que Nélias il est là, il faut dire ce qu'il est, mais en fait il faut rester dans l'idée. Ouais, bah heureusement. 121, il est. Dommage. Bah ouais, bah ça dépend de ce que c'est, hein. Ça dépend de ce que c'est. Mais la prochaine salle, c'est pas un défi communautaire. Ok, il va tuer le sauvage, donc ça c'est. Ok Nélias, petit message, on t'aime, vraiment on t'aime. Il va nous finir le truc, heureusement. Par contre, là, du coup, lequel va falloir tuer, le vert ou le violet d'abord? C'est compliqué, hein. Ouais. Ah, purée, il est au niveau 3, le tir puissant. GG. Ça aide, j'avoue. Je t'avoue que si j'avais l'attaque mentale ou la concentration, ça m'arrange pas. Mais j'ai. Ah non, pas concentration, l'autre. Ah ouais, la coupe. Ça devrait être bien, vraiment. Ah, il fait des dégâts de coups avec son attaque. J'espère juste qu'ils n'ont pas joué là en plus. Oh, pas dire. Bon, ok,
bah vraiment, Nelias, il a géré. Ouais, bah clairement, clairement. Bah en fait, il a le même nombre de sorts que nous, hein, sauf qu'il a des sorts beaucoup plus épiques, c'est que... Il a des sorts épiques, hein. C'est ça. Bah moi, j'ai même pas pu faire un tour, quoi. Je te jure, j'ai eu tour. Vraiment. J'ai même pas fait un tour. Bah j'ai mis tant pis. Je suis niveau 90. Je suis niveau 80, je suis 90. Ouais, c'est pas mal ça. L'IA est cassée. Bah non, l'IA est pas cassée, c'est juste que t'es pas. Elias, ouais, clairement. C'est le seul qui est pas mort. Après, c'était plus à chaleur. Ça faut le dire aussi. GG, hein. Allez, on va voir ce qu'il y a dans le coffre. C'est tout ? Bah, ouais. 50 tempotons, 50 parfoutons, c'est pas ouf. Hein. En tout cas, si vous faites cette salle, prenez. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est un défi communautaire, ça, non? Ça fait rien, donc ça va rien faire. Tu veux jouer avec moi? Non! J'ai pas envie de jouer avec toi! Sérieux? Oh, c'est trop nul. Allez, bah vas-y. Bonjour, tu es plutôt bien portant, tu veux jouer avec moi? Oui. Prends ce déguisement et cette arme et on verra qui nous deux arrivera à appeler mon ami très mal en premier. Allez, c'est parti. 99 999 points de vie. J'ai gagné 10 PA. Ouais. Eh ben, on va trouver. Échec critique. Moi j'ai fait un échec critique direct. je fais que des échecs. Oh non. Moi j'ai perdu. Attends, j'ai perdu. Il faut que je le refasse. Eh ben GG. Ah, attends, moi je le refais. Je suis dégoûtée. J'ai fait un échec critique. Purée. Eh ben GG. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe là? Franchement, c'est nul, hein, comme faut se le dire. Bon, ceux-là, je les ai déjà fait. D'ailleurs, avec la nouvelle mise à jour, n'hésitez pas à remonter dans les étages pour reprendre vos coffres, parce que vous pouvez les débloquer une deuxième fois. Oui, je sais, c'est un bug, mais bon. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Allez. Croisons les doigts. Pas d'échec. Allez. Oh, c'est pas possible. Ça fait très mal. Eh, mais j'ai pas de bol. Hein. Je te jure, j'ai pas de bol. J'arrive pas à l'invoquer. Je vais mourir pour la deuxième fois. J'ai même pas regardé si ça m'a enlevé de l'énergie. Rien. Oh putain. C'est pas moi. Ah, j'ai pas de bol. Ça fait très mal. Ouais, 900 points d'énergie. Et vous savez quoi, j'ai perdu pour la deuxième fois d'affilée. Ah, c'est pas grave. Allez, on est reparti. On va le refaire pour la troisième fois. On dit jamais 200 fois. Oh, mais j'espère pas. Du coup, j'aimerais bien gagner quand même un petit peu. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir le chat fait rien. Mais en fait, chat fait rien aussi. Ouais, chat fait mal. Le mec qui a fait ça, je te jure, il a craqué. Allez, on recommence. Putain, l'autre, il lance son combat, tour 1, chat fait. Bim. Moi, ça fait 2 combats où je perds. Je me demande jusqu'à combien de fois on peut le faire. Non, mais combien de fois je peux le faire en perdant, je veux dire. Parce qu'à mon avis, je vais le faire une paire de fois. Enfin, une paire, c'est deux. Hein. Rien. Putain, mais c'est pas possible. Ils sont où les 10% là? S'il vous plaît. Mais oui, vas-y, vends-toi, toi, je veux juste. Allez, bim, échec critique.
pas possible. Ah purée. Ce sort horrible. Purée. C'est énorme, je te jure. Ça fait déjà deux fois que je meurs. Bon, bah go l'auto. C'est vrai. Allez. Tours de rien. Ah purée. Le combat le plus long de toute l'histoire. Échec critique. Allez, dis-moi. Je vais peut-être changer de case. Peut-être que c'est ça. Allez, je vais pas le mettre en case de mettre un tête de mon erreur. Peut-être que c'est ça. Oh mais j'en peux plus. En vrai, mettez-le pas en bout de course, hein. C'est ça qui fait que vous invoquez pas. Ah purée. Mais ce défi était nul! J'ai fait 1 minute 37 de rien. 15 tours! Oh purée. Mais c'est pas possible. Et du coup, est-ce que je peux lui reparler ou pas? Lui 15 tours. Pff, t'es pas drôle. Bah ouais, forcément. Ah purée. Et là, normalement, on peut plus descendre plus bas. Hein. Si, on a encore un étage. Qu'est-ce que c'est? Un petit microque. Un petit mimi-croc. Mais je vais déjà regarder après ça. Ah, c'est le coffre. Ouais. Et ben écoute, là, le Isela à 155 lui, il a l'air de gérer tout seul. Retrait anticipé. Non, mais je veux voir du coup quoi ce qu'il fait comme bouquin. Ok, je suis encore. Voilà, il reste le bouquin. Un petit mini croque. En gros, si tu lui fais œil de taupe, il joue pas. Bon, voilà, donc globalement, on sait à quoi s'attendre pour ce dernier combat. Donc des anti-mimi-crocs et un anti-mimi-croc. Donc à mon avis, il te croque si t'es à son cac. Donc on va pas le gérer pour le moment. Et quoi qu'il en soit, on va le faire dans une prochaine vidéo. Mais pour ça, il faut que je prenne un petit peu de niveau quand même, parce que je suis légèrement beaucoup à la traîne. Ouais. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, pourquoi pas à partager. Et puis on se dit à plus dans la prochaine. Ciao, ciao!